En manchette aujourd'hui, première neige aujourd'hui, parlons marché de Noël. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On est aujourd'hui le 16 novembre. Donc, en fin de semaine, il y aura deux marchés de Noël qui seront actifs dans le secteur. On parle tout d'abord du marché de la visitation de l'île du Port qui se tiendra samedi prochain. À ce sujet, on écoute l'entrevue que nous a donnée le maire Alain Goyette. Je suis en compagnie de M. Alain Goyette, le maire de la visitation de l'île du Port. Bonjour, M. le maire. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos bureaux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut parler? C'est le retour du marché de Noël des artisans ici à l'île du Port. C'était une tradition qu'il y avait avant la pandémie. Et vous avez recommencé avec cette année, avec les autorisations qu'on peut avoir, de refaire cette belle activité-là. Ben oui, c'est une tradition qui a commencé avec l'administration précédente, dont j'ai fait partiellement partie. C'est une idée originale là, qui est un peu qui origine de Mme Marie-Pierre Aubuchon, la mairesse précédente, qui était une bonne idée qu'on a décidé de poursuivre. C'est le premier marché de Noël post-pandémique, entre guillemets, où ce que c'est que trouver nos bottines d'organisateurs avec l'administration municipale et le conseil en place et les loisirs également qui de l'île du Port qui participent à l'organisation de tout ça. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a quand même 23 exposants qui vont venir samedi ici à l'église de la visitation de l'île du Port nous présenter le fruit de leurs efforts, soit par de l'artisanat, soit par des produits issus de la ferme ou de le propre travail en photographie, en peinture ou il y a toutes sortes de produits. Le produit, puis c'est justement parfait pour la période des fêtes, pour ceux qui veulent acheter des cadeaux ou se procurer des choses originales qu'on ne trouve pas dans des magasins ou dans des grandes surfaces. C'est ça. Puis la notion d'achat de proximité est importante aussi. Tu sais, aujourd'hui, je pense qu'on vit cette économie circulaire-là, on vit ça, et c'est quelque chose que vous tenez à maintenir. Là. Vous avez plusieurs projets dans ce sens-là, de s'entraider dans la communauté. Là. Oui, effectivement. C'est tous des artistes, des artisans, des producteurs acéricoles, des regroupements d'agriculteurs qui sont de la région et qui, effectivement, la majorité des produits, pour ne pas dire la totalité, sont produits dans la région, à proximité, avec des talents tout aussi diversifiés puis surprenants qu'on peut avoir, qu'on découvre aussi dans notre territoire. Puis, peux-tu nous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on va avoir comme artisan de présentation? Oui. Qu'est-ce qu'on a? Bien, on a Création NG Déco Vintage qui sont de l'île du Port, qui fabriquent des affiches comme on peut voir à Berthier, là, justement, les affiches Tosker, les affiches de locomotives, c'est eux qui les ont faites. T'as Émilie Erard qui est céramiste, elle fait des produits de céramique. T'as Collection Black and White qui est un nouveau, j'ai hâte de découvrir ses produits. T'as Muguette Barry qui fait de l'artisanat et du tricot. T'as Ferme France Boivin qui fait des cartes de souhaits de Noël faites à la main, très beau. T'as Carrel Dupont qui fait des bougies et des produits de cire. T'as Mme Lise Marcille qui fait des tricots. T'as l'érablière Saint-Damien qui est des produits d'érable et tout ce qui en suit. Femme Bercheva qui a plusieurs arcs à sa corde, ils font autour des sapins de Noël, ils ont une ferme, ils ont des produits de la ferme, je ne sais pas s'ils vont en avoir à cette période-ci de l'année, mais ils ont aussi de la viande, des produits de bœuf. Et Mme Linda Grimard qui fait des sacs. Il y a M. Daniel Duchesne, un artisan du bois. Mme Noémie Saint-André, qui fait de l'artisanat, de macramé. M. Gilles Bilodeau, qui est un producteur de miel. Mme Joanne Massé, qui fait des tricots. M. Fernand Rivet, c'est quelqu'un qui, pendant la pandémie, c'est un retraité, qui, pendant la pandémie, a créé un village miniature, une cabane à sucre avec une petite maison. Il a tout fait ça de ses mains. Ça va être en exposition, c'est un exposant. C'est impressionnant de voir ce qu'il a fait dans son garage pour un peu contrer l'isolement de la pandémie. Et Mme Isabelle Berlin, jus artisanat, c'est toutes sortes d'artisanat, de produits d'artisanat qu'on peut faire des beaux cadeaux avec ça pour Noël. Il fait aussi du savon. Mme Christine Duplain, qui fait des produits pour le corps.
Mme France Jalette, qui fait des bijoux, la Coop des îles de Saint-Ignace, qui va être présent, M. Denis Plan, qui fait des capteurs de rêve, et M. Jean Boucher, qui est un horloger, et Mme Marie-Pierre Boivin, qui fait des chandelles de soya. Ces 23 exposants-là vont être présents samedi prochain, entre 9h et 16h30, à l'église La Visitation de l'Île-du-Loup. Donc, c'est une invitation à tous. À tous, tout le monde sont bienvenus. Puis, de venir les encourager. Venez encourager ou venez visiter, venez voir. Vous allez découvrir que même dans la région, il y a une activité forte, une économie locale quand même assez forte. Puis ça va vous donner des idées pour le temps des fêtes. Bien, c'est ça. Il faut en profiter. Ben oui. Bon, ben je te remercie beaucoup. Merci, maman. CTRB a aussi parlé avec Julie, une bénévole, pour le marché de Noël de Saint-Cuthbert. Marché qui se tiendra le 20 novembre, donc dimanche. Julie nous parle des artisans invités et des ateliers offerts. La compagnie de Julie, qui est une des responsables du marché Envoyons de l'avant, c'est bien ça, de marché de Noël de Saint-Cuthbert. Bienvenue, vous venez nous parler du marché. Vous devez sûrement être fébrile à l'idée de faire un marché après toutes ces années, dans le sens que... Il y a eu certaines années que ça n'a pas eu lieu et tout. Oui, puis là, c'est ça, dans les deux dernières années, le marché n'a pas eu lieu. Fait que là, on a bien hâte là, de revoir tout le monde. Puis, dans le fond, c'est notre première année là, au comité. On a comme repris le flambeau. Fait que, on est trois dans le comité, puis on est vraiment hâte de Est-ce que la réponse était bonne quand vous avez recontacté, j'imagine, les artisans que vous connaissiez? Est-ce que ça s'est... Oui, bien, on a même tout refusé. Oui, OK. Donc, c'est intéressant, on va avoir un bel choix. Est-ce que vous savez si c'est des retours d'artisans ou vous avez des nouveaux aussi? On a les deux. On a 21 artisans. Il y en a qui étaient là dans les éditions précédentes, mais il y a aussi beaucoup de nouveautés. Okay. Sur votre site Internet, qu'est-ce que j'ai vu sur le Facebook? Il y avait des ateliers. Oui. Pouvez-vous nous en parler? C'est quoi qui va se passer dans les ateliers? Oui, fait qu'on a deux ateliers pardon, qui sont gratuits pour tout le monde, pour toute la famille. On a un atelier de bijoux. Ça, c'est deux bénévoles qui s'en occupent. C'est fabrication de bijoux pour tout le monde. Autant, il y a des billes pour les petits-enfants, puis il y a des billes aussi plus pour les adultes. On va avoir aussi une table avec fabrication de cartes de Noël. Ah, c'est bien. C'est tout équipé là, comme en scrapbooking là, pour faire des belles cartes. On va aussi avoir des dessins pour les enfants. Est-ce que ça a lieu toute la journée? Toute la journée. OK, donc entre 10 ans, c'est ça, le matin, et 4 ans, on peut aller faire des colliers, donc des cadeaux de Noël, préparer nos cartes de Noël. C'est vraiment ça l'idée, là, c'est de pouvoir... ça coûte rien. Ah, OK, c'est bien. C'est dans la même pièce avec les artisans, donc on veut que ça soit très convivial. Est-ce que tu peux parler un petit peu des artisans que tu vas avoir? Je sais que tu as un métalliste pour l'oublier. C'est important, oui, parce qu'on ne va pas nous oublier. Bien, on en a 21, mais ils sont en ordre alphabétique. Allez-y, oui. Donc, on a Bianca Legault, c'est une artiste, elle a fait des fiches d'identification pour emmener quand on va faire des sorties en forêt. OK. On a canneberges du Québec et du marché Godefroy. Bon, eux, ils vont avoir des confitures, des canneberges, des bonbonnières. On a Cartari qui fait de la papeterie à la main, donc des cartes pour les événements. On a Création Filane. Elle a fait des lampes en bois de mer, elle a fait du tricot, des châles, des œufs. On a la ferme Terra Milfolia qui font des tisanes, donc ça, on a du bouffa qui ont fait pousser. On a Isabelle Couvreau qui, elle, fait de l'aquarelle sur quatre. OK. On a les jardins RC qui font des conserves artisanales avec tous les produits qu'on poussait. On a Jean et Linda, c'est un couple. Lui, il fait des horloges, puis elle, a fait des sacs à main, des sacs magiques. On a José Muse qui fait des produits tissés. On a l'atelier de l'ours qui va faire des objets décoratifs pour Noël, tout en bois récupéré. OK. Les amis de la Chico seront présents, c'est un organisme qu'on connaît bien, oui, ils sont très actifs, oui. Oui, c'est ça, puis eux, ils vont avoir à leur table, ils vont avoir du café, ils vont avoir aussi des viennoiseries puis du pain de la compagnie Le Pain Griffé. OK. Donc, ils vont vendre de leurs produits. On a les racines sauvages, donc c'est une savonnerie et des produits cosmétiques naturels. On a Locomotive, la microbrasserie. Du coin ici, c'est ça. Qui sera présente. On a le Mielerie Brizard qui vont être là avec du miel. Il y a aussi sa conjointe qui fait des bijoux. On a Nicole les cultivaires qui, elle, fait du savon, elle fait des chandelles dans des tasses vintage. Elle a aussi de l'ail qu'elle a cultivé.
puis elle fait des bijoux. Au Wine Miel, puis elle fait des emballages alimentaires et utilisables. Donc, ok, oui, quand... je sais que ce que tu veux dire. Oui, comme un genre de sac à l'entraide. Oui, oui, ouais, c'est, ça, c'est bien, oui. Puis avec ses repas, il y a aussi des chouchous qu'on va avoir. On a Stéphanie Belair qui fait de la maroquinerie artisanale. Donc, ça va être plein d'articles en cuir. Seconde Nature, c'est une ferme florale. Elle, elle fait des décorations et des couronnes avec des branches de sapin, okay. Des fleurs qu'elle a fait pousser. Et on a seulement ce nouveau paysan, qui est un artisan semencier de Saint-Hubert, qui ont des semences acclimatées vraiment notre région, okay, oui, qui vont être bien, oui. On a Sucrerie Valrémy qui ont des produits. On connaît bien Saint-Hubert, oui. Ça fait longtemps qu'ils sont ça, là. Ça fait longtemps qu'ils sont là, oui. Et on a VEC Location qui vont avoir des outils puis vont avoir tout aussi pour partir un jardin. Donc, créer un jardin pour l'an prochain. C'est très bien, franchement, c'est très diversifié. Vous avez reçu des choses, c'est très original, mais je pense qu'il y a des particularités dans vos choses. Oui, c'est ça. On voulait vraiment. L'idée, c'est vraiment d'être diversifié puis d'avoir. Beaucoup de choix pour vraiment encourager l'économie locale. Bien, c'est ça, l'économie circulaire. Donc, avec la première neige demain, bien, oui. On vous invite déjà à l'école Sainte-Anne, c'est bien oui, ça, c'est ça, à Saint-Hubert, de 10h à 6h. C'est ça. Il va y avoir aussi un panier cadeau à faire tirer. Donc, tous les artisans qui vont être là vont nous donner des produits. Puis, c'est, dans le fond, c'est un coupon par visiteur. C'est ça. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Julie. Bien, merci à vous. On va aller vous visiter. Parfait. Merci. Merci. Bye-bye. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de notre jeu de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 16 novembre, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à Jacques Forget. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 16 novembre, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. La direction du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de la Nausière, en collaboration avec le comité des usagers de l'établissement, le CUCI, ainsi qu'avec les 5 comités d'usagers, du CI3S, est heureuse de promouvoir à nouveau la campagne de promotion des droits des usagers à l'occasion de la Semaine des droits des usagers, amorcée le 13 et qui se déroulera jusqu'au 19 novembre. Sous le thème « Le droit des usagers, les connaissez-vous? », cette campagne vise à rappeler les droits reconnus par la loi aux usagers du Réseau de la santé et des services sociaux du Québec. L'une des missions principales du Comité des usagers est de renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations. C'est pourquoi, en collaboration avec le CI3S, nous remettons de l'avant nos outils promotionnels de ces droits dans le but de mieux les faire connaître et de mieux outiller les usagers de notre réseau dans la défense de leurs droits, a souligné Yves Lapensée, le président du CUCI. À l'occasion de la promotion de la campagne des 12 droits des usagers, nous souhaitons saluer le travail réalisé par les comités des usagers du CI3S. Grâce à de telles initiatives, ils contribuent à travers leur mandat à améliorer les soins et les services offerts au sein de notre établissement
a mentionné Maryse Poupard, présidente directrice générale du CI3S de La Nausière. En plus d'une publicité numérique et de la distribution de quelques objets promotionnels et des affiches présentes dans l'ensemble des installations du CI3S, des dépliants seront distribués dans le Publisac de la région au cours de la semaine. Les 12 droits sont aussi expliqués sur le site web de l'organisme. On y va avec, le site web www.ilétait12droits.ca. Quels sont justement les droits des usagers? On parle du droit à l'information, au service, le droit de choisir son professionnel ou l'établissement, le droit de recevoir les soins que requiert son état, ou de consentir à des soins ou de les refuser, le droit de participer aux décisions, celui d'être accompagné, d'être assisté, d'être représenté, le droit à l'hébergement, le droit de recevoir des services en anglais, le droit d'accès à son dossier d'usager, le droit à la confidentialité de son dossier d'usager et le 12e, le droit de porter plainte. Pour en savoir davantage sur vos droits, pour joindre le CUCI ou encore pour vous impliquer, consultez le site web du CI3S à l'adresse suivante www.ci3s.gouv.qc.ca. Donc, section Votre CI3S / Comité des usagers. C'est aussi possible d'avoir de l'info par téléphone, composé sans frais, le 1-833-649-7533. Sur ce, passons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 novembre, à 60 ans, est décédée Mme Maryse Mousseau, fille de Micheline Plante et de feu André Mousseau, demeurant à Montréal, native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre sa mère, son frère André Mousseau, Gina Lachapelle, ses neveux, David, Yannick, Nicolas, Samuel, Simon et leurs enfants, ses oncles, tantes, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le vendredi 18 novembre dès 9h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra ce même jour une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 11h. Madame Maryse Mousseau sera inhumée au cimetière de Berthierville. Au CHSLD Le Château de Berthier le 2 novembre. À l'âge de 94 ans et 8 mois, est décédée Mme Denise Garceau, épouse de feu Régis Fafard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre Fafard, Céline Lafrenière, René Fafard, ses deux petits-enfants, Marie-Pierre et Andréanne Fafard, ses sœurs et son frère, Lucille Garceau, feu Régent Chaillé, Annette Garceau, Jacques Tarte, Yvon Garceau, feu Mariette Fernet, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Denise Goyette, feu André Garceau, Yvette Champagne, feu Paul-Aimé Garceau, Monique Brûlé, feu Léo Fafard, Germain Fafard, Anne-Marie Fafard, Thérèse Fafard, Jean-Guy Fafard, Claudette Lorrain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 19 novembre dès 13h en l'église de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Suivront les funérailles en ce même jour à 14h. Madame Garceau-Fafard sera inhumée au cimetière de Berthierville. À l'hôpital Pierre-Legardeur, le 4 novembre, à 79 ans, est décédé M. Régent Gagnon, époux de Louise Desroches, demeurant à Terrebonne. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Stéphane Gagnon,
Hugo Gagnon, Sonia Belha, sa sœur, ses beaux-frères et sa belle-sœur, Hélène Gagnon, Dominique Desilets, Céline Desroches, Robert Fredette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons pour le centre hospitalier Pierre Legardeur. Les formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi le 19 novembre de 9h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h. M. Gagnon sera inhumé au cimetière de Berthierville. Au centre d'hébergement de Saint-Gabriel de Brandon, le 2 novembre, à 92 ans, est décédée Mme Marie-Paul Rousseau, épouse de feu Florent Bonnet, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise Bonnet, Normand Savignac, Céline Bonnet, Carmen Lefebvre, André Bonnet, Georges Daviaud, Florent Bonnet Jr., Geneviève Colperon, ses petits-enfants, Laurent et Clara Daviaud, Étienne et Victor Bonnet, Olivier Carmin, Maude André, Francis Anthony et José-Emmanuel Lefebvre, son beau-frère et ses belles-sœurs, Roger Saint-Jean, Félise Rousseau, Lucette Massicotte, feu Gérard Rousseau, Annette Champagne, feu Jean-Guy Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 20 novembre dès 10h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra en ce même jour une liturgie à la chapelle du complexe à midi. Au CHDL, le château de Berthier, entouré des siens le 13 novembre. À 75 ans est décédé M. Pierre Lavallée, époux de Francine Desmarais, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Sylvie Lavallée, Pascal Beauchêne, ses petits-enfants Yann et Claudia Larchevêque, sa sœur Pierrette Lavallée, ses beaux-frères et ses belles-sœurs Jean-Guy Desmarais, Huguette Desmarais, Marielle Desmarais, Robert Desmarais, Odette Beaulieu, Micheline Desmarais, Françoise Desmarais, Henri D'Agostino, Réjeanne Desmarais, Gilles Dumontier, ses filleules Patricia Labrec, Lynn D'Agostino, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un remerciement spécial est adressé à Amy Kim Dupuis, super-infirmière de la clinique de Berthierville, et à tout le personnel du CHSLD Le Château de Berthier pour les bons soins prodigués à M. Lavallée. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera dimanche le 20 novembre dès 13h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 16h. La famille apprécierait le port du masque. M. Lavallée sera inhumé au cimetière de Lanoraie à une date ultérieure. Au CHSLD Le Château de Berthier, le 12 novembre à 85 ans, est décédée Mme Micheline Valois, épouse de feu Roger Fafard, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé sa sœur Monique Valois, feu Roland Sylvestre. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Michel Fafard, Diane Mondor, Sylvain Fafard, Sylvie Saint-Pierre, Sylvie Fafard, feu Guy Clément, Linda Fafard, Jean-Marc Étier, Maryse Fafard, Richard Chevalier, Carole Fafard, André Lépine, Serge Fafard, Danny Ross, Nathalie Fafard, Stéphane Latour, ses petits-enfants, Mathieu et Simon Fafard, Marie-Christine et Elisabeth Fafard, Valérie et Patricia Clément, Annie et Claude Étier, Julie Recret, Pascal et Véronique Lépine, Frédéric Fafard, Megan et Édouard Latour, ses arrière-petits-enfants, Tom, Joé, Élodie, Marine, Joseph, Olivier, Camélia, Clémence, Emma, Julia, Marion, Ali-Rose, Arthur, Mia et Raphaël, son filleul François Étier, sa sœur et sa belle-sœur, Claudette Valois, feu Roger Clément, Hélène Bergeron, feu Benoît Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Merci s'adresse au personnel du château pour le professionnaliste, voilà, et les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera jeudi le 24 novembre dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront les funérailles en ce même jour en l'église de Saint-Barthélemy à 15h. Madame Micheline Valois-Fafard sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 novembre, à 73 ans, est décédé M. Jean-Marc Grégoire, fils de feu Gérard Grégoire et de feu Thérèse Sylvestre, demeurant à Saint-Cuthbert. Il est allé rejoindre sa fille Marie, il laisse dans le deuil ses enfants. Marc Grégoire, Sylvie Lavallée, Jean Grégoire, Isabelle Morin, Julie Grégoire, Pascal Ferland. Ses petits-enfants, William, Raphaël, Marc-Antoine, Guillaume, Marianne, Alexandre, Loïc et Mathieu. Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 25 novembre de 19 à 22 heures et samedi le 26 novembre de 11 heures au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Saint-Cuthbert à 14 heures. M. Grégoire sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert. À Berthierville, le 10 novembre, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Marie-Ange Fernet, épouse de M. Roland Sylvestre, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Elle laisse dans le deuil son époux Roland Sylvestre et son époux est complice des 70 dernières années. Ses enfants, Pierre Sylvestre, Francine Pelletier, Aline Sylvestre, Bernard Sylvestre, Francine Guévremont, René Sylvestre, Julie Leforêt, Michel Sylvestre, Andrea Aguilar, ses petits-enfants, Geneviève, Geneviève, Mfouwamba, Olivier, Sandra William, Étienne, Jonathan, Elisabeth Gagnon, Maxime, Cynthia Gravel, Vanessa, Marc-Antoine Valois, Francis, Joanie Bruno, Bianca, Robert Champagne, Alec, Duana Hernandez-Leon, Guillaume, Stéphane Hull, Brin d'Amour et Alessandro Sylvestre Aguilar. Ses arrière-petits-enfants, Nadjela, Laurent, Jolène, Abigail, Hans, Ali, Élie, Maë, Liam, Zara, Ludovic et Raphaël. Sa sœur, ses beaux-frères et sa belle-sœur, Alice Fernet, Jacques Rainville, feu Marcel Fernet, Yvon Garceau, feu Mariette Fernet, Gisèle Pagé, feu Michel Fernet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis, sans oublier la grande famille EBI. La famille Sylvestre tient à offrir ses remerciements les plus sincères au personnel dévoué du CHSLD Le Château de Berthier pour la qualité des soins prodigués. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière. La famille vous accueillera au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, samedi le 26 novembre de 14 à 17 heures et de 19 à 21 heures, ainsi que le dimanche le 27 novembre, jour des funérailles, dès 11 heures. Les funérailles auront lieu donc le 27 novembre à 15 heures en l'église de Berthierville. Madame Fernet sera inhumée au cimetière de Berthierville. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera de la neige, une température de 1, un temps ressenti de moins 4, environ 2 à 4 cm de neige. Mercredi soir, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de 0, un temps ressenti de moins 3, moins de 1 cm de neige. Mercredi nuit, c'est nuageux avec éclaircies, une température de moins 3, un temps ressenti de moins 8. Jeudi matin, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de moins 2, un temps ressenti de moins 7. Jeudi après-midi, c'est plutôt nuageux, une température de 1, un temps ressenti de moins 4. Jeudi soir, c'est ciel variable, une température de moins 3, un temps ressenti de moins 9. Et voilà, c'était tout pour votre météo.